son club en Guadeloupe. Aujourd'hui, nous sommes chez Papa Ruyo, qui nous reçoit aujourd'hui. Et je suis en présence de Monsieur Galli, qui va nous parler de la genèse et de ce projet qui nous a reçu aujourd'hui. Ben merci. Tout d'abord, merci de venir nous voir et de parler de ce projet. Donc, c'est un projet qui voit le jour parce que, avant tout, nous sommes des amoureux de la production locale et la transformation, et aussi agriculteurs. Et c'est un projet qui vient en fait, qui naît de la réflexion d'un collectif d'agriculteurs face à une problématique donnée où de petites parcelles dans la région du Moule, hein, comme M. Gobardin a pu vous dire tout à l'heure, qui chaque année n'étaient pas toujours récoltées. Et donc, ce sont des gens qui prennent énormément de soins et d'énergie et d'amour à cultiver leur canne. Et donc, c'était une douleur, effectivement, de certaines années de ne pas pouvoir, de ne pas avoir leur canne récoltée. Donc, on s'est réunis, on a discuté et l'idée, c'était de se dire, que faire hein, de ces cannes et comment en faire quelque chose qui soit en lien direct avec l'effort qu'on y met, la qualité qu'on veut y mettre, quelque chose de valorisant. Et la réflexion n'a pas été très longue de se dire, l'idée est tout trouvée de partir sur du rhum et du rhum premium. Et donc à partir de là, toute la réflexion a mûri autour de ça, donc faire de la canne longue, rapprocher le plus possible la canne du broyage, maîtriser les fermentations et ensuite le choix de l'outil de distillation, donc l'alambic, là aussi pour effectivement d'une part se différencier des excellents rhums qu'on fait déjà en Guadeloupe, mais d'autre part aussi de pouvoir offrir une palette, une couleur différente à la palette des produits qu'on trouve déjà et une autre expression au rhum agricole de Guadeloupe. D'accord. Et ce choix d'alambic, donc, c'est vraiment pour se différencier, pour amener une nouvelle touche sur la Guadeloupe? Alors, le choix de l'alambic, ça a été, oui, pour ça. Bon, savoir que à l'origine du rhum, hein, les premiers outils qui étaient utilisés, c'était des alambics. Les premiers rhums ont été faits en alambic. L'idée, c'était d'un retour aussi à ça. Et les plus grands spiritueux aujourd'hui consommés au monde sont faits aussi à partir d'alambic et de double distillation, de manière effectivement à pouvoir séparer ce qu'on veut moins en termes de saveur, de flaveur des spiritueux et ne garder donc au final que le cœur. C'est cette démarche-là qui nous a intéressés, de manière à pouvoir proposer le produit le plus fin possible et de s'adresser effectivement à une clientèle de dégustateurs, de gens qui recherchent des produits de dégustation. D'accord. Et comment va évoluer Papa Ruyo dans les années à venir? Vous imaginez comment dans 5 ans, quel type de produit vers où vous pouvez aller en fait? L'idée aujourd'hui, hein, c'est effectivement de faire des produits bruts de grande qualité, donc des blancs de grande qualité. Mais l'origine même du projet était de pouvoir bien travailler l'aspect élevage du rhum et le vieillissement. Donc nous, l'objectif, c'est de se positionner là-dessus et de pouvoir proposer effectivement d'excellents rhums blancs. J'espère que vous avez pu en découvrir un petit peu aujourd'hui en notre compagnie, mais aussi un travail d'élevage très poussé sur le choix de nos fûts, le choix de nos chauffes, de manière au final à avoir des produits ESB vieux, très précis et qui ravissent en fait les amateurs de bons spiritueux et de bons rhums. Merci Monsieur Galli pour ces informations. Merci à vous. Merci.